FiniJouer.fr. FiniJouer, parlons jeux vidéo. Salut à tous, vous êtes de retour sur Level One et nous on est de retour avec un nouveau jeu. Alors là en l'occurrence on va vous présenter un jeu qui est sorti depuis un petit moment déjà puisqu'il est sorti au mois de décembre dernier. Voilà, on voulait vous en parler tout simplement parce que, alors pour ma part, ça n'engage que moi dans l'équipe, mais Just Cause a beau maintenant commencer à dater un petit peu, ça reste l'un de mes jeux préférés. Nous sommes donc aux côtés de Rico Rodriguez qui est un révolutionnaire qui revient sur son île natale, un archipel même très exactement, l'archipel de Medici. Alors vous allez voir, on va lancer la partie. Il revient tout simplement pour libérer sa terre natale qui est aujourd'hui contrôlée par un dictateur qui s'appelle Diravelo, qui installe des bases militaires un peu partout, et Rico forcément rejoint les rangs de la résistance contre ce dictateur. Et on se retrouve donc dans un immense open world dans lequel on va pouvoir faire plein de choses. Just Cause 3, c'est un jeu que j'adore personnellement parce que, outre le fait que le jeu est tout simplement magnifique hein, sur console actuelle, que ce soit la PS4 ou je crois qu'il est sorti aussi sur la Xbox One si ma mémoire est bonne, ainsi que sur PC, c'est magnifique et en plus c'est un énorme défouloir. Voilà, donc en fait on est sur Just Cause, on va j'avais dû recommencer une partie, alors par contre du coup je vais pas être super loin. Voilà, donc on dirige de Rico qui comme vous pouvez le voir est bien équipé en fait. Là on a carrément le lance-roquettes et le fusil à pompe, sans parler tous les petits flingues et tout ça. Ce qui sous-entend bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, que ça va vraiment cartonner. Alors en plus de ses armes, Rico a quelques petits gadgets fort sympathiques. Ah putain, mais je veux absolument lancer des grenades en fait. Voilà, le grappin. Voilà, je me rappelais plus, c'était la touche L1. Alors, le grappin, c'est bien parce que ça vous permet de vous accrocher n'importe où. Ça permet aussi de relier des objets entre eux. Par exemple, vous pouvez relier un soldat avec une bonbonne de gaz, par exemple. Ça vous permet de l'envoyer complètement en orbite. Il n'y a pas d'autre mot, vous l'envoyez en orbite. Le grappin vous permet également outre le fait de créer des actions combinées avec le parachute, voilà, ça vous permet de vous déplacer. Tout à l'heure quand j'ai commencé la partie j'avais une voiture, alors par contre je sais plus où j'étais. Alors tiens, voilà la mélisse. J'ai mes copains qui sont en bleu en fait, qui sont un petit peu embêtés par la milice, donc on va les aider. Oh bah qu'est-ce qui se passe? On arrive direct en fait. D'accord. Dès le début de la partie, on commence à se faire shooter. Donc des superbes graphismes et on va s'amuser à aller foutre le bordel quelque part, je sais pas, on va essayer de trouver une base où voilà, je sais pas, j'ai roulé sur un truc, je peux pas continuer par là. J'aime beaucoup cette voiture, j'ai envie de faire du tout terrain avec. Voilà, ça c'est cool. On peut absolument tout faire. Même le plus improbable. Donc, Just Cause... Oh, génial. Une ville... Je vois des panneaux, en fait, de propagande de Diravelo. Ça veut dire que c'est une ville dans laquelle je ne suis pas encore venu. Donc, on va pouvoir faire un gros ménage. Commissariat qui a peut-être été libéré, je ne sais pas où on est. Voyons voir, est-ce qu'on a des bâtiments qui sont encore... Oui, oh alors, donc, comment est-ce qu'on pourrait s'amuser avec nos amis, les gardes qui nous attendent? Alors, est-ce qu'on a des copains dans le coin?
On va descendre. On va aller regarder tout ça. Oh, j'ai été vu. Alors, par exemple, je vous montre. Toi, j'ai envie de t'accrocher. Clac. Toi aussi. Oh, je l'ai loupé le boulot. Au revoir. Et je vais peut-être me casser parce que là, ça commence à sentir le roussi par ici. On se planque. On va appeler les potes. On va appeler des copains, ça va être beaucoup plus simple. Et beaucoup plus sympa. Des copains, j'ai dit. Pas vous, je ne veux pas vous voir. Alors on va essayer d'envoyer la voiture contre la citerne. On va accrocher un soldat. Et un autre. Total carnage. En train de me faire canarder. Est-ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de me donner des munitions? Et le commissariat est libéré, les jeunes. Yes. Bon, alors là, nous avons un panneau ici. J'ai pas envie d'y passer la nuit. Voilà. Une statue. La statue du méchant général. Oh, ils sont toujours là. Pas le temps de souffler. Cible en fuite. Nous allons tout simplement la faire tomber à l'aide du grappin. Deux cordes,
Il en faudra pas moins. On tire très fort. On l'a perdu. Retournez à vos postes. C'est parti. La prochaine fois, calme-toi un peu sur la... Voilà, ça fait partie des objectifs que l'on doit faire, à savoir détruire les statues. Je vois un icône de téléphone, ça veut dire qu'il y a un milicien qui est en train d'appeler des potes. Je viens de faire voltiger un civil. Là-haut. On va aller lui passer le bonjour. Où es-tu? Ah, ça suffit maintenant. Tiens, déjà, descend. On va s'expliquer. Bah non. Tu n'es pas mort? Ou attends. Je vais te faire un cadeau. Adieu. Voilà, il était persuadé de pouvoir me tirer dessus. Eh bien non. Alerte à toutes les unités. Rétablissez le contact visuel. Je vois un haut-parleur. Nous allons gentiment détruire. Voilà. Que restait-il à faire? Projecteur et encore du haut-parleur à débloquer. Projecteur, où est-il? Je vois ici haut-parleur. On va se le faire gentiment à l'explosif. Voilà, on va se mettre gentiment ici, tranquillement, et on avance. Ça, c'est fait. Oh, ça vient d'en haut, ça sent les bouffées. Donc on va éviter de rester sur place. Activation du protocole de recherche. Trouvez la cible le plus vite possible. Missile central. On envoie des renforts terrestres sur votre position. Voilà, donc ici on a la mairie, c'est là qu'on viendra changer le drapeau une fois qu'on aura fini toutes les missions pour libérer la ville. Mais il me reste encore des choses à faire. En l'occurrence, nous avons trois panneaux à trouver, un projecteur, et ce sera tout. Et où sont-ils? Je ne parle pas des gardes, évidemment. Contact visuel perdu. Où ça? Un peu cramé par ici. Et je sens qu'on tire dessus. Je n'aime pas ça. Je suis là. Changement, c'est bien. Missile central, la cible est toujours en cavale. Trouvez-la.
On a besoin d'aide par ici. Des renforts sont en approche. Neutralisez la cible au plus vite. À toutes les unités, trouvez le rebelle. Chassez-le sans relâche. Et je vois un panneau là-bas. Je vois même deux panneaux là-bas. C'est le moment de vous montrer la wingsuit. Autre petit gadget fort sympathique. Oh là là. C'est là ce qui me semblait, il y a un hélico. On va essayer de... Je n'aime pas qu'on me tire dessus. Ouh, il y a le projecteur aussi qui est là-bas. Donc on va faire un petit coup, on va se faire le panneau. On va se faire le projecteur. Le dernier panneau. Je crois que ça sent le temps. Le dernier doit être par là. Voilà. Et bien voilà. Envoie des hélicos de soutien au point de contact. On va les poser sur un toit. Ouh, je me suis fait canarder. Par un autre hélicoptère. Lance-roquette, je vais... se casser. On va se faire oublier. Voilà, donc en fait on va terminer avec cette vidéo tout simplement après avoir tout détruit autour de nous. On a libéré la ville, on a rempli toutes les missions. Donc il ne nous reste plus qu'à terminer cette libération en hissant le drapeau à nos couleurs. Et voilà, c'est la fête. Une nouvelle ville vient de rejoindre notre camp. Voilà, donc nous étions sur Just Cause, un jeu de Square Enix qui a été développé par le studio Avalanche. Just Cause, donc, qui est disponible depuis le mois de décembre sur PS4, Xbox One et PC. Voilà, donc franchement, c'est un jeu qu'on classe parmi nos grands favoris parce que, à titre personnel, c'est évidemment un de mes jeux préférés, encore aujourd'hui, sur cette bonne vieille PS4. Un jeu très chouette qui vous fera évoluer dans un environnement qui nous fait penser à l'Italie en fait. C'est un petit côté méditerranéen qui est très 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 sympathique. Tenez, attendez, on va vous emmener voir la mer. Guarico, viens ici. Puisqu'on est sur un archipel. Voilà, ouh, que c'est beau. Voilà, donc c'est sur ce joli panorama que nous allons vous quitter. Donc on vous embrasse, portez-vous bien, abonnez-vous et à très bientôt.
Salut à tous!